I had the question today, and I realized, yes, there is obviously some kind of injustice done to this person. But yeah, they're very different. I mean, Lachasse was a man that was purely a victim of an unjust thing. And in this case, I'm a big part of it. Michael Kohlhaas is a big part of the problem. There is something injustice done to him. But like normal people, he will not solve it like normal people will. He keeps going. And in the end of the day, it makes him blind. Arnaud Despalières m'avait contacté au départ pour faire un rôle beaucoup plus important qui est le valet de ferme de Michael Kohlhaas, César, qui a un rôle pratiquement muet. Et finalement qu'il a confié à David Bennett, parce que moi j'ai trouvé que ce tournage s'est trouvé en même temps que le tournage de Holy Motors, il y a 2 ans. Donc j'étais engagé de cœur et d'âme avec Léos. J'ai fait entre 2 parties du tournage de Holy Motors. Entre la scène avec les bonobos et la scène de Monsieur Merde avec Eva Mendes. Et on a fait un mois d'arrêt pour attendre Eva Mendes à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, j'ai été rejoindre Arnaud Despalières et son équipe dans le Vercors. Et donc il a remplacé, il m'a permis de participer à cet ouvrage en me confiant ce rôle du protestant, du chef protestant, chef religieux qui... Et donc j'ai échangé en fait en quelque sorte un rôle muet et très équestre, qui est pas forcément quoi. Ça m'aurait demandé beaucoup de travail quoi, mais j'avais commencé à pratiquer un petit peu le cheval, et pour un rôle qui est effectivement avec une densité de propos. On ne peut pas s'empêcher de penser un peu à Sancho Panza. Est-ce que c'est quelque chose dont il vous a parlé? Ah ouais. Oui. Ah ouais. J'imagine que Don Quichotte, il a l'air d'être un grand lecteur, Arnaud Despalières, donc vous avez peut-être parlé de Don Quichotte. Et... Non, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est vrai que quand on voit Panza déjà, de Sancho Panza, Panza ça veut dire bide, le bide, la panse. Donc déjà quand on voit ma panse, on risque de penser à Sancho Panza, mais si en plus on est sur un âne, c'est vrai que l'idée vient tout de suite, hein. Même si là il n'y a pas de Don Quichotte, c'est quelque part en Sancho Panza à la recherche d'un Quichotte, parce qu'en fait dans le film, le petit rôle que je joue, c'est justement d'un convert manchot, qui a juste un bras et qui essaye de s'inscrire aux troupes de cette armée populaire de Kohlhaas. Il y a forcément quelque chose qui fait penser à Sancho Panza.